Voilà, pas le choix. J'ai commencé le rap avec un gun sur la tempe. T'es né où et quand ? Je suis né à Paris 13e, le 21 janvier 1991, à la Pitié-Salpêtrière. C'est quoi tes origines ? Et du côté de mon père, je suis sénégalais malien, du côté de ma mère, je suis malgache. Ils faisaient quoi, tes parents ? Bah, mon père, c'était un bandit et ma mère, elle a toujours travaillé, s'est débrouillée. Est-ce que t'as des enfants ? Oui, deux. Deux garçons magnifiques. Un que j'ai adopté et un autre que j'ai avec ma femme. Tu regardais quoi comme dessin animé quand t'étais petit ? Olive et Tom, L'École des Champions, Dragon Ball Z, Martin Matin. Tu voulais faire quoi comme métier quand t'étais petit ? Chimiste. À cause de, justement, pour revenir sur ta question de dessin animé, d'un dessin animé d'un mec qui s'appelait Dexter, qui était petit, qui vivait chez ses parents avec sa sœur, une casse-couille et tout, et qui avait son petit labo secret caché dans la maison. C'est quoi le premier livre que tu as acheté ? Le Messager d'Athènes. C'est un truc qui parle d'un type qui vit dans un village où ils sont bien, qui vont pas tarder à se faire attaquer. Il doit aller remettre un message pour expliquer qu'il faut pas faire comme ça. J'avais bien aimé ce bouquin. Faudrait que je me le reprocure. Et c'est quoi le premier CD que tu as acheté ? C'était le deuxième album de Signé que je l'avais volé celui-là. J'aimais bien ses chansons. On m'a fait comprendre que j'étais pas tout seul. J'étais pas en galère tout seul, tu vois. Même si je voyais au quartier qu'on était tous dans la même galère, mais entendre quelqu'un, t'as un gros audimat, le dire, ça te fait te sentir encore moins seul dans ta situation, dans ta position, tu vois. T'étais quel genre d'élève au collège ? Ils avaient des facilités. Alors je faisais les mêmes bêtises que les copains, sauf que quand les copies, elles arrivaient, j'avais 15 et demi et eux, ils avaient 3. Comment t'as commencé le rap ? À cause de mon grand frère. Il m'a dit, prends une feuille, prends un stylo, je t'explique c'est quoi les mesures et tout le tac, et là, on va faire un son ce soir. Voilà, pas le choix. J'ai commencé le rap avec un gun sur la tempe. C'était quoi ton premier morceau ? Ça s'appelle Cette Famille. Ça, avec mes frères, on avait fait un son tous ensemble et le titre, c'est ça. Envie de... m'étaler trop sur le souvenir. Hein. C'est qui l'artiste français ultime selon toi ? Bah, Lavoine. Pour le talent, pour l'engagement, pour les actes posés, parce qu'il suffit pas d'être engagé dans les musiques, il faut l'être aussi par les actes. Est-ce que t'as eu le bac ? Non. Non, monsieur. T'as fait quoi le soir de tes 18 ans ? Je sais plus, j'étais bourré. Tu passes combien de temps par jour à faire de la musique ? Zéro. J'ai pas de musique chez moi. Je prends des séances studio. Quand elle se pointe, je couche le morceau et je rentre chez moi. C'est quoi ta plus grande fierté ? De pas être devenu ce qu'on croyait que j'allais devenir. À savoir un délinquant qui nique sa vie, qui fait des allers-retours en prison, qui est mort bourré à chaque instant. Leur mettre bien profond à tous ces gens-là qui croyaient que j'étais foutu. C'est ma plus grande fierté.